Bonjour YouTube et hôtel. On a beaucoup, j'ai pas lancé. Ah, j'ai mal au pied. Petit retour? Comment ça va, YouTube? Et ben voilà, petit retour. Petite fessée. Hop. Hop. Mais bon. Allez, comment ça va, vous? Petit retour son peut-être. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Bon, on se retrouve pour une toute nouvelle session de gameplay. Donc on va commencer l'acte 3 et le finir sur 2 ou 3 sessions de gameplay. On commencera après les 3 DLC. Ouais, putain, ils n'ont pas fait 4, c'est con. Faudrait que je me renseigne sur un DLC de Just Cause 4 qui arrive bientôt. Logiquement. Oh, can you see? Hop. Oh oui, nouvelle livraison. Pourquoi on est ici? Si, si, c'est bon. Oh, on y va. De petits problèmes là, enfin on a un gros. Moi je l'aime bien Sheldon, je vous l'ai déjà dit. Non mais on y va à pied là, on prend le temps. On a Petra. Ah. Hop là. Ah. Donc ouais, il y a quand même 8 missions aussi, donc peut-être 3 sessions de gameplay, j'ai envie de dire. Oh putain, pourquoi j'ai décidé d'y aller à pied moi? En plus, je sais même pas si on l'aura là. Ouais, si on l'aura. Petite demi-ville tranquille. Ah, par contre, on n'est pas à Petra, on est à Trio, non? Une demi-ville comme ça, c'est Trio. Eh. Je m'en rappelle. Hop là. Vivement là. La fibre. Rico et la rose. Oui, on va sauver Rosa Manuela. On lui dit bonjour. Et puis voilà, me cassez pas les couilles. Ah, est-ce qu'on l'a? Hop là. C'est du DLC à droite, donc on s'en fout. Hop. On va les faire dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est lui. Lui. Donc on les fera dans l'ordre. Allez, Rico et la rose. On suit l'histoire et vous fermez vos gueules. Ah, la sortie la rosette. Oh, on va devoir couper le live. Ah, on a plus de pain. Ah, c'est du pain de mie. Un peu con ça. J'ai senti la rosette. Ah bon, c'est pas grave. Ah, écoutez l'histoire. Les rebelles ont gagné. Rosa Manuela.
Ouais, juste. C'est vrai que bon, on va tirer l'avion, c'est ça? J'ai hâte de la rencontrer, oui. Mais ça risque pas d'arriver si quelque chose arrive à cet avion. Oui, en fait, vous êtes tous contents, mais elle... Rosa Manuela. Si on trouve très vite. Allez, go. Protège-la. Rosa Manuela. Pas respirer et fumer. Bah si, non, mais il faut inspirer. Ah, mais je me suis compris. Mais ça colle les doigts ces conneries. Hop. Ah bah oui, on est à Medici, ma cocotte. Allez go, on va la rejoindre. Oh, il y a les 4 bandes d'ici. Oh, t'es le bien d'où? Il n'y a pas d'île par là. Ah! Oh, si. Ah, mais c'est. Je fais putain aussi, oh, mais non, mais c'est. La petite île de Boom Island. On y fera un tour si vous voulez un jour. Bon, elle vient de très loin en tout cas. C'est cool de me faire une animation de 2 minutes pour ça. C'est cool. De rien. Oh, mais c'est vrai que j'ai oublié le temps de chargement. Voilà. Elle tire dessus. Ok. Ah, c'est un missile touche par hasard, Rosa Manuela. J'ai envie de dire s'il y a un truc qui va la toucher là, non, ok. Ah, ok, c'est bon. On va ralentir, on va laisser prendre de l'avance. Par contre, tu vas où, ma cocotte? Ah, faut rejoindre l'avion de Rosa. Bon bah go, hein. Par contre, je le vois pas, ça doit être un pixel mort là, parce que... Je sais pas ce qu'on mange ce soir là, c'est bizarre. Quoi? Ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà, bien joué. Non. Allez, allez, on rattrape. On rattrape. On rattrape. Allez. Oh, ce truc au dernier moment trop stylé. Ouh. C'était héroïque mais pas voulu. Oui, bah oui, j'arrive. Ah, on est où là? Et donc... Ah, Oumbla, bah oui, logique.
On avisera une fois là-bas. On s'en est bien sorti. Ah oui, c'est parti pour 1,5 km, donc bon. Faire atterrir l'avion, je te parie c'est pas nous qui aura une animation de merde. Ah non. Et hop là. Et bon, on a bien atterri en plus. Donc tant mieux. Ah, mal au pied. Et oh non, me dis pas que t'as crash, putain de jeu de merde. Ok. Peut-être charger dernier point de contrôle, hein. Juste question de sécurité. Ah, ce jeu de merde là. Ça va, ça va, ça va. On a trop bien atterri. Bon, on a pété un peu le machin, mais on a bien atterri. Bon, tu me refais pas ce coup là, mon coco. Ah là. Mémorable. Et merde. Ah mais ils sont trompés de voix. Merci. Ils ont merci. Pris la voix de la meuf pour faire Rico. Votre pays vous doit beaucoup. Merci mon ami. Merci beaucoup. Ah, madame la présidente. Vous étiez une meuf, pas mon ami. Il n'y a pas de son peuple. Moi, je ne suis qu'une fidèle citoyenne de Medici. Rosa suffit. Chaque jour, Diravello perd de sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Cet homme est un misérable lâche et un traître. N'écoutez pas ce qu'elle dit. J'ai déserté. Je suis loyal. Vous n'aurez pas le cran de déserter. Il a falsifié des preuves pour justifier le coup d'état de Tiravello. Ah mais c'est peut-être lui qui donne des infos. Ah ben oui. Si quelque chose arrive à cet avion, Diravello sait où vous êtes. Il envoie une grosse armée pour vous. Alors saisis-nous la taupe. Tuons-le. Enfermez-le. Il sera jugé pour ses nombreux crimes au cours d'un procès civil équitable. Il est temps de reconstruire une Medici juste. Même Je savais que c'était pas Top Sheldon, non? Que j'en apprenne un peu plus sur cette rébellion. Bon, c'était chelou, mais je savais que Zino était un petit connard. Et que Sheldon était gentil surtout, moi, moi c'est ce qui m'intéressait, j'aime beaucoup Sheldon. Bon bah, c'est long, tu veux que je dise quoi de plus? Ah. Ah, d'être la suite, hop, on voit. Y'a une quête ici quand même. Suivez les tuyaux. Vénérine Bavarium, suivez les tuyaux. Logique, mais on va aller faire celle-ci. On fait celle-ci, puis après on ira faire l'autre. Ah putain! Ah, c'est loin! Hop!
Ah, ok. Emplissez vos cœurs de courage. Medici sera de nouveau à nous si nous combattons pour elle. Vous savez leur parler. Je suis venu Ah jusqu'à la cible. J'apprécie votre rapidité. Nous n'avons pas une minute à perdre. bah c'est rigolo, hein. Moi je suis là pour faire les bails. Empoisonne. Ah ouais, le bavard en plus ça parle d'être gentil. Écoutez, écoutez. Ah ouais, c'est chaud ça. Marie veut évacuer un peu de Bavarian. C'est un job pour Mario Frigo. Tu veux piloter l'hélico? C'est pas un job pour Mario Frigo. Moi je veux bien. Affaire réglée donc. Bonne chance, Rico. Bien Théo, c'est genre le gros baraque costaud mais qui a quand même bonne notion technologique et scientifique. Long. Vrai qu'il se plaît Suis-moi jusqu'à bizarrement. l'hélico. Je t'emmène au train. Merci. J'ai des munitions, fais voir. Ok, 3-10 là-dessus, c'est max parti. ici. Toutes mes grenades, bon, ça va. Ah, quand même, ça fait son Le train kilométrage. va bientôt passer par ici. On va s'en servir pour rattraper le train que Rosa veut voir dérailler. Tu crois qu'on sera pas seul? C'est accroché à ma ceinture là ou à ma braguette? Ta Le câble est accroché à ma braguette. Un peu foiré l'animation. Ouais. Ouais. Ah. De toute façon, je veux que le wagon avant, moi. Qui d'autre peut m'attaquer? Et la dune, il est pas grand. Ok, attendez. Allez. Mais comment vous savez que j'ai pris le contrôle du train? Non, mais c'est des demain, j'ai envie de dire. Hop! Hop! Je vais me saouler, toi. Tant que je perds pas tout le train, bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. Mais je sais pas où on va. Alors, si on va à Maestral, calme-toi avec Maestral. Un autre hélico, va falloir bien viser, mais moi je dis là, 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 et là, là, comme ça c'est bon. Bonnard. Allez, dégage. Ça s'est bien passé, j'ai envie de dire. C'est pas grave, le tunnel ça protège. Un train arrive vers
Allez. Oh. Oh, c'était la merde. Bah ouais, le train a déraillé, le pont il s'est explosé en 40 000 mètres. Ok, sans rien d'activer les commandes, on va juste tirer sur l'autre connerie là. Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non mais directement on tire sur les machins. Où est-ce qu'on est? Ah mais il y a un connard ici. Attendez, on va recharger ça. Attendez. Ça va, ça s'est bien passé. On a perdu que deux wagons. Ah, ok. J'ai tiré comme ça! Oh non, je m'y attendais tellement pas! Je tirais comme ça au pif! C'est chiant, c'est trop chiant! 14h19, bon ça va, on est dans les temps. Bon. Oh bah c'est devenu bleu d'un coup. Est-ce que ça va être Rico à notre terrain derrière toi? Ça m'étonne pas. Ah non. En vrai, ça dégage. Ok. Ok. Ah bah voilà. Oh non mais c'est juste qu'on est mort deux fois comme des cons. On est dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire qu'on doit être juste à côté. Ah, on va faire celle-ci quand même. Hein. Puis après, on ira faire celle-ci. On a trois bornes en plus. Bon, ça va. On est au Val-de-Marne. Donc, on n'a pas atteint le Maestro World. Maestro. Ah, toujours cette base. Hélicoptère en folie 3. Ah, mais je me rappelle. Hein, j'ai des bons souvenirs. Hein. D'ailleurs je parlais avec quelqu'un et je fais putain je me rappelle plus de ce canard il m'avait dit alors qu'il m'avait dit ça la veille. Canard m'a dit un truc la veille et j'avais totalement oublié. Mais un truc important, hein, c'est pas genre ouais, j'ai bouffé de la salade, non c'est un truc important que je devais retenir. Hop.
Hop. Allez, merci. Ah, théoriquement, les montagnes, voilà, me saoulez pas. Bon, ça commence à m'énerver. Grande Pastoura en plus, vas-y, commence pas. Hein. Non, en plus, c'est Montana, je peux dire une Bavarium, c'est dans le Montana. Ah, c'est dans le Grande Pastoura. Bah, t'éteins pas, mon coco. Oui. Pénurie de Bavarium. Donc c'est suivre les tuyaux. On va détruire la petite base. Et c'est bon, ça m'attaquera plus. Et on pourra faire les activités qui sont dedans. Même si on a toujours pas envie de les faire. Parce qu'on est vraiment intéressé par la comète. Parce qu'on a pris toutes les zones bleues. Mission 3 sur 8. Ah, te voilà. Viens, viens voir. La base de contrôle principale de Diravelo est protégée par de petites ogives au Bavarium à Aurore. Ouais, bah ouais, on s'en est bien pris dans le cul. C'est toujours pareil. Ces gaines contiennent des câbles électriques et à fibre optique. Tu croirais que les deux premières fois lui auraient servi de leçon? Ça va être aussi facile que de voler une sucette à un bébé. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Moi, je confirme, mais il y a du coup, là. Ouais, ça prend 100 minutes, ce genre de mission. Cette mission-là, quand si on la gère bien, elle prend 5 minutes. Oh, ça va me chercher, ça va me casser les couilles. Non mais moi j'ai pas envie là. Pas un petit truc, un petit avion, un petit chat, non. Bon allez go. Non, lol, connasse. Ah bah oui. Bah normal, hein. Il y a trois îles, il y a trois armes, ferme ta gueule. Ah oui, il casse les couilles aussi. Le... Allez. Hop là. Hop, on monte la montagne tranquillou. Hop là, on est à l'entrée. Non, moi j'y vois grappin. Ne vous inquiétez pas. Heureusement qu'on a activé le parachute quand même. Quoi, j'ai fait quoi? Allez, ouvre la porte. C'était ouvert derrière. J'en ai marre. Ah, c'était ouvert derrière. Et c'est reparti pour 4h30 de chargement. Bonjour YouTube. Non, pas encore. Ah, YouTube, ça fait déjà une demi-heure qu'on a fait l'émission, hein. Ah, ouais. C'était bien à l'époque où on mourait sur Isaac. Toutes les 2 minutes. Ah, putain. Ah, bon, on a fait quand même pas mal de gens ensemble. Et du coup. Ah. Ah oui, c'était pas des gentils qu'il y avait aussi. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ah, c'est bon. Ok, merci pour le mieux. La sortie est où?
Hop. Très raccourci, c'est ton raccourci. Oh, ça va, c'était rapide. Me saoulez pas. Toto. Ouais, je sais comment mourir, enculeuse. Ah. Et hop. Vous voyez qu'elle a pris 5 minutes. Oh, elle a pris un peu plus, mais. Nous avons donc fait 3 missions et on va faire la quatrième et s'arrêter là. Oh, même si on a le temps, on prend une cinquième, mais. Allez, hein, c'est parti pour une petite TP. Pas piqué des hannetons, hop, déplacement rapide. Oh, ça va être plus rapide, hein. Allez, c'est parti. Ah, bonne vitesse là, c'est bien, on est bien là, on est bien. On est bien, on est bien. Pourquoi il y a... Ah, il va des pop, c'est ça? Moi, je sais pas. On n'était même pas rendu compte que Ico restait. La grande évasion. Comme une chanson de Hippo Kung Fu dans son album Céleste. Ah, bonne ref, hein, bonne ref. Très très bonne ref. Je l'ai vu en concert, ce gars. Et... C'était son dernier concert, il l'a tout donné. 3 heures. Ah, 2 heures et demie, 3 heures. Petit con. Petit con. Et moi je dois l'aider. Ça a l'air facile, mais t'as pas peur que tes gars se fassent massacrer par les soldats? Oh, tu les connais pas. Libère-les et puis tu comprendras. Ouais, c'est des vieux cassos et moi je ferai tout le bon travail. Une connerie dans le genre. T'as envie de dire. Ah, ok. Zeit. Là, attention. Ouais, ça prend 2 minutes en fait. Quoi? Oui, mais ça répond pas, moi je veux juste activer des conneries. Ah, par logique, c'était là. Ok. Ok. Attention, on peut rapidement mourir dans ce jeu. Hein. On s'en sort bien, mais hop. Ok, il va falloir se mettre là, tranquillou. Oh, oh là, tu m'as mis une balle. Oh non. En plus, c'est pour pirater, donc ça prend du temps. C'est pas d'appuyer sur le bouton, tu te prends une balle. Ah, ah, non, c'est. Ah, on recommence. Ah, on recommence. Tu vois, non, c'est ça.
Mais j'ai compris. Rico, attention. Rico, il s'entension pas, il va. Ah. Ah, si on joue la vitesse, c'est possible. Allez. Ah non, c'est chaud. Oh, on l'a eu. Je vais pas comprendre. Allez, ouvre-toi. Ouais, où est-ce qu'elle pourrait être la suite? Par contre, il y a trop de faisceaux rouges. Au moins les faisceaux rouges, quoi, parce que là, même pas traîner en l'air. Ok, bon, on a trouvé la deuxième commande. Ok. Ah ouais, petit bâtard. Oh, on l'a eu, on l'a eu. Dernière peut-être? Ou c'est déjà plié? Non, c'est la dernière. Bah je me bats parce que t'es un sale putain. Aurelsan m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Mais oui. Ah putain, il était déjà pété depuis 1000 ans. Allez, pète-toi, pète-toi. Attendez. Hop là. On va prendre un petit bazooka. Ah mais... Ah, attendez. Attendez. Les gars, les gars, les gars. Vous venez de buter ma Annika là. Ah Annika. Vas-y, 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 passe. Salope. Ok, mais maintenant toi tu pètes la barrière toi. On s'en fout, on a fini la mission. De rien. Bon, une dernière, hein, parce qu'on pense qu'on a du temps. Par contre, où est-ce qu'elle est? Juste au-dessus de celle-ci, du bavarium dans l'avion. Bon, allez. Petit déplacement rapide à côté. On fait celle-ci, puis après on s'abandonne pour aller une petite pause déj. Et puis on fera la fin de l'acte 3. Juste après. Sinon on s'arrête maintenant, on fait la pause déj à la fin de l'acte 3. Ouais, oh non, on va faire une mission, allez, on va faire une petite mission. Limite on commencera le DLC, on verra. On est 4 jours, samedi ou dimanche? Dimanche 24 mars. On a le salaire quand le 26, ouais, normal. La cible s'est échappée, retournez à vos postes. Hop là, c'est parti. Oh non, je pense plutôt qu'on va s'arrêter devant. Parce que là, je sens que cette mission va être longue.
Je crois que les quatre dernières, elles vont être bien longues. Ouais, merci. Donc en plus j'ai faim. Ou sinon 2 minutes. 2 minutes, je vais voir si le manger est prêt, si le manger est pas prêt, on fait celle-ci. Ah bah aujourd'hui c'est pas moi qui fais à manger. Bougez pas. On fait celle-ci. Bon bah on fait celle-ci, hein. Comme ça sera fait. Ah. Après. Qu'on se mette vraiment au boulot, j'ai quelque chose à t'avouer. Je suis qu'une vieille ordure doublée d'un renégat. C'est vrai. J'ai trahi un sacré paquet de tyrans qui me prenaient tous pour leurs meilleurs potes. Mais au final, Rico, je fais confiance qu'à 3 personnes. Ma pote, moi. évidemment, l'oncle Sam, et toi. Écoute, gamin, on peut pas dire que je sois toujours super réglo, mais je te trahirai jamais. Je sais, c'était Zino. Je le savais. J'ai toujours su que ce pétochard de traite de mes deux finirait forcément par nous causer des problèmes. Tu sais, chérie, un jour je vais te demander comment ça se fait au juste qu'on soit rencontré sur ce bateau la nuit où mes parents sont morts. Et je sens que ta réponse va pas vraiment me plaire. Oh, Dima! Qu'est-ce que tu fais ici? Rosa m'a demandé de venir. Elle ça? m'a dit où aller. Mais comment? Sheldon. Oui, Rico. Lèche déjà les bottes de la nouvelle dirigeante de Medici. Oh, j'avoue, c'est chaud. Tu sais très bien que c'est trop tard pour me faire changer. Quoi, Rosa Manuela défend la liberté. Et la liberté. Tu vois, Sheldon, c'est une sorte de petite ordure, ouais, trop sympa. Ouais, moi, j'aime bien Sheldon. Arrêtez cette bombe et sauvez le monde. Allez, mon gars, on se remue. Puis Rico, ça va, il est sorti. Et il s'est même pas questionné sur la mort de ses parents, tu vois, j'ai envie de dire. Mais attendez. Qu'est-ce qui a été dit dans Just Cause 4? Espisona est responsable. Espinosa est responsable de la mort de mon père. Je sens que Espinosa et Diravello étaient liés parce que Diravello a dit j'ai tué ses parents, blablabla. Mais dans Just Cause là, 4, Rico dit bah c'est lui qui est responsable de la mort de mon père et tout. Donc il y a un petit truc lié, non? Ah, moi aussi. J'avoue. J'avoue aussi. On s'en sort bien. J'ai toujours l'impression d'être sur deux roues à un moment. Comment ça? On l'aura jamais. On l'aura jamais. Ah, ils l'ont. En plus, ils ont tout calculé. Allez. Ouh. On a eu chaud. Mais t'as vu comment c'est cogné? Pas. Bah. Mais je retourne avec un peu de distance, donc. Ah. Bon, je m'enseignerai pour l'histoire un peu plus détaillée du jeu. Enfin, des jeux, vous savez qu'on est. On est là aussi un peu pour l'histoire, on fait les campagnes, c'est pas pour rien. Hop là.
Je m'occupe de quoi? Ah, trois péquenauds? Je m'occupe de trois péquenauds, vous foutez de ma gueule. Oui, parce qu'il y en avait un troisième en bas. Si le temps de chargement se finit, bien sûr. Hein. Vous connaissez la devise. À heure de jeu. Non, c'est pas ça. Si le temps de chargement se finit. Ah, ok. Hop. Hop. Montez sur toi. Et ça, c'est le cockpit. Ça, la bizarre. Ouais, je fais comment? Est-ce que si j'en pique un? Non, 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 allez, calme, calme, calme. Casse-toi. What? Merci. Je savais que tirer trop près, ça allait me faire un truc, là, j'y m'y attendais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Théoriquement, on se retrouve sur le cockpit de l'avion ou juste aller retourner chercher ça. Donc ça a tué personne. Je sais pas, c'est... Hein? Quoi? Moi je veux tuer des gens. On me casse les couilles. Ah. Hop. Oh ça va. Oh il est pas petit hein. Il y a moyen de faire des bons trucs avec juste des petites idées. Après, si vous êtes gentil et qu'on avance juste tranquillement, bon, moi ça me va aussi. Vous êtes tous gentiment, bah, toi, cette traîtresse d'animal, cette ordure de Sheldon. J'ai envie de dire, heureusement que j'ai pris des bases, quoi. Et c'est parti! Et hop. Et hop. Quoi, on est trop près sûrement, connerie dans le jeu. Merci. Est-ce que c'est eux qui tiraient sur leurs potes, j'ai envie de me demander. Feu quoi, je suis en train de tous buter. On réduit. Ok, bah, vous voyez que ça se passe bien. Oh, faut juste reculer tranquillou. Ah, des nouveaux. Ok, c'est bon, ça s'est bien passé aussi. Ok, on réduit, on descend, on amortit la chute. Et on bombarde.
Ouais, j'avoue, là, c'est chaud. On va tirer plusieurs fois, parce qu'on a peur de toucher l'avion. Voilà. Une balle sur l'avion, regardez l'avion cargo. Putain, il est nombreux. Ok, ça touche l'avion. Petit enculé, quoi. Il m'a fait flipper. Touche. Non, mais je tire une fois. Ça se passe bien. S'ils ont toujours pas buté que j'étais ennemi. Hop là. On prend notre temps, j'ai envie de dire. Ok. Ah, l'avion cargo a quand même pris son petit coup. Oh, dis-moi qu'il n'y en a pas encore 36 000 qui arrivent là, c'est pour ça me péter les couilles. Ah. Ouh. Secondes, je sais même pas ce qu'on doit faire. Attention, la bombe va exploser, lol. Et hop là. Ça l'abruti, il saute. Oh, mais c'était pas petit comme explosion. Bien joué. Ok, ouais, non, je me suis dit que c'est plus fort quand même. Moi, je trouvais ça pas très fort. R. Sheldon, lol. Ah, mais c'est une référence aux deux, t'inquiète. Merci d'avoir choisi R. Sheldon. Il disait plusieurs phrases comme ça. Eh, hey, mais l'abîme pas, celui-là. Merci, bah c'est la manoir. Jamais rien de ce poltron stupide. Et si vous voyez cette menteuse de Rosa Manuela, je vous prierai de l'abattre. Il est au taquet, hein. Moi, je suivais l'histoire.
Ah, je suis l'histoire là, ouais, c'est chaud là. Monteuse. Bon, en tout cas, mission finie. Donc, petite pause déj, c'est quoi? 19h47, on revient à 20h30? On dit ça? On dit qu'on fait ça? Hop. On revient à 20h30, nous sommes niveau de la progression à 5 missions sur 8, réussi, 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 réussi. Mécanisme de véhicule terrestre 147 sur 175, 115 sur 145 et 183 sur 240. Ah, mais bon, c'était chaud, j'ai envie de dire. Plan pour garage, on est à 2%, bah ouais, 47 véhicules. C'est quand même chaud. Libération, on a quasiment tout fait. Enfin, on a tout libéré. Mission et défi, on est à 85%. Objet à trouver, 100%. Journal de dire à vélo, 100%. Stat, je sais pas. Forteresse solide, il y a des pourcents et tout. Lord, c'est assaut terrestre par mecha, vol de barbarie en bombe et forteresse céleste. Donc ça nous manque les petits plans pour garage à faire. On a ramené un truc une fois. Bon, bisous, on se retrouve pour dîner. Enfin, après dîner. D'ici là, bientôt ça. Bientôt ça.